Bonjour tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez acheté sur Money Shop les nail patch. Donc les nail patch, ce sont ces petites plaquettes avec un vernis spécial dessus qui va permettre de fabriquer ses propres donc nail patch. C'est un petit peu comme des stickers, sauf que ce n'est pas autocollant. Euh, il va falloir les coller d'une certaine façon. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc, les nail patch, vous les avez comme ceci. Donc, il y a 10 doigts, 10 ongles dessus. Vous avez les, les petites explications en dessous. Donc, sur cela, je les ai déjà préparés le temps que ça sèche. Donc, on ne voit peut-être pas assis. Comme ça, on voit. Vous voyez, il faut mettre quelque chose de spécifique pour qu'on puisse le décoller. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire. Pour ça, il suffit de prendre du vernis à ongles classique. Donc vous allez dans n'importe quelle boutique et vous prenez du vernis transparent, il n'y a vraiment pas besoin de prendre de la qualité, ça fonctionne avec tout, euh, donc vernis transparent, pas forcément du, du top coat, hein, c'est vernis transparent de la base, n'importe quoi, donc voilà moi j'ai pris ces vieux vernis euh, que je vais utiliser pour faire ça. Une chose à savoir aussi, lorsque vous voulez faire de la peinture acrylique pour créer vos décors, la peinture acrylique, vous avez dû voir dans plusieurs de mes tutos que je disais qu'il faut que le fond soit mat. C'est pour ça que sur cela, j'ai mis un top coat mat. Vous n'êtes pas obligé de mettre un top coat mat, mais vraiment, si vous faites du dessin à la peinture acrylique, je vous conseille de mettre du top coat mat. Si vous n'avez pas de top coat mat, je vais vous donner une petite astuce pour créer votre top coat mat. Donc là, c'est un top coat, enfin euh, je ne sais même pas si c'est un top coat, non, c'est une base. C'est un vernis transparent classique, donc qui n'est pas du tout mat. Comment on fait pour matifier un vernis Eh bien, c'est tout bête, on prend ça. Et ça, c'est quoi Tout le monde en a dans sa cuisine, c'est de la maïzena. Donc la fécule de maïs. On va en mettre dans le vernis. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Parce qu'après, ça fait une texture bizarre si vous ratez. Donc voilà. J'ai mis deux petites, euh, deux mini cuillères à l'intérieur. Mon, mon top coat, il n'était pas, euh, pas rempli. Hein, il y en avait à peu près la moitié. Je remue. Ça se dilue euh, vraiment très bien. Et ensuite, on aura un top coat mat. Donc là, je viens de finir de le remuer. Et donc, vous voyez, ça fait la texture un petit peu, euh, un petit peu blanche, floutée, comme les vernis mat habituels. Voilà, on a fabriqué... Son vernis de base mat si vous voulez faire des nail patch à la peinture acrylique et donc ensuite on prend son vernis brillant ou son vernis mat que vous venez de faire et on va faire une couche fine comme ça sur chaque ongle, donc il faut juste ben, respecter la, la taille. Il n'y a pas besoin de trop trop s'appliquer si ça déborde un peu c'est pas grave c'est juste que au pire votre nail patch sera un peu grand et on peut le redécouper par la suite quand il sera sec. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose qui remplit tout euh, le motif, qui remplit tout l'angle, eh bien, faites quelque chose d'un petit peu plus propre. Mais là, voilà, on met une couche fine un peu partout, sur tous les angles, et franchement, ça sèche, euh, ça sèche super vite. Vous allez pouvoir faire, faire votre dessin dessus d'ici 2-3 euh, minutes, je dirais. Franchement, ça sèche très très vite. À savoir que les nail patches sont tout à fait comp compatibles avec les poses en gel, en semi-permanent ou en vernis classique. Ce n'est pas parce que c'est fabriqué avec du vernis classique qu'on ne peut pas ensuite les poser sur du semi-permanent ou du gel. Il n'y a vraiment aucun souci quand vous l'englobez bien ensuite dans votre top coat de finition, aucun problème. Donc là, j'attends que mon top coat sèche, et du coup, on va passer sur cela que j'avais déjà fait tout à l'heure. Donc là sur ma palette j'ai mis de la peinture acrylique. Je la dilue. Bon c'est pas un tuto, euh, c'est pas un tuto pour, euh, pour savoir dessiner. Ça, il y en a plein sur ma chaîne YouTube et sur, euh, sur Instagram et IGTV. Je prends mon pinceau. Et ensuite, du coup, on va dessiner. Euh, ben vous dessinez ce que vous voulez. Euh, Juste, je vous conseille, si votre ongle ne fait pas cette taille là, je vous conseille pas forcément de remplir tout l'ongle, parce que si votre ongle est plus large, vous allez vous retrouver bloqué. Moi, je vous conseille de faire plutôt des dessins en plein milieu, comme ça ensuite vous collez votre nail patch là où vous voulez, ou alors sur le côté éventuellement, mais pas forcément de faire des dessins côté gauche et côté droit, ni en haut et en bas, parce qu'en fait, si vous avez l'ongle trop long, trop court, trop large ou trop étroit, et que ça ne correspond pas à cette forme-là, vous allez vous retrouver bloqué. Donc soit en plein milieu, soit juste sur un côté. Et donc par exemple, bon, je peux faire des arabesques. Voilà. Vous créez vraiment ce que vous voulez. Ce qui est super pratique bah, avec les nail patchs. je pense que si vous les avez pris, c'est que vous avez compris c'est que ben, c'est beaucoup plus facile forcément de dessiner sur un support qui est plat. Je peux le tourner dans tous les sens, contrairement à la main, où des fois ben, ce n'est pas très, très pratique. Vous pouvez préparer vos motifs tranquillement chez vous à l'avance, et ensuite ben, vous pouvez les offrir, euh, vous pouvez les vendre à vos clientes. Ça peut être très pratique euh, quand on sait faire sa main gauche, mais qu'on n'arrive pas à faire sa main droite, ou l'inverse. Toutes ces petites choses-là. Donc, une fois qu'on a créé son, son truc, donc on n'est pas obligé de faire de la peinture, je pense que ça fonctionne aussi avec, enfin, je pense, c'est sûr, ça marche avec du semi-permanent ou du gel, mais par contre, il faut que ça soit des dessins très 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 fins, parce que si vous faites trop épais et que vous catalysez, eh bien, euh, le nail patch ne sera pas souple, ça va être dur, et du coup, bah, vous n'arriverez pas à le mettre forcément sur votre ongle. Euh, mais franchement le mieux, moi je trouve que pour le détail je suis une fan de peinture acrylique, donc moi je vous conseillerais tout le temps tout le temps la peinture acrylique, aquarelle, pourquoi pas. Mais peinture acrylique c'est vraiment le mieux. Mais vous pouvez aussi faire des dessins en vernis à ongles. Par exemple sur, euh, sur certains, sur ceux-là, j'ai mis quelques petites paillettes, ben, ça c'est des liners en vernis pailleté, donc euh, c'est tout à fait possible de mettre des petites touches de vernis. Une fois qu'on a créé son design. Ensuite, on prend un top coat de finition, donc encore du vernis. Donc, je reprends le vernis de tout à l'heure, c'est juste que là, c'est le même, mais celui-là, je l'avais matifié pour faire en dessous. Celui-là, c'est le normal, le, le transparent en fait. Donc, en gros, si vous voulez faire comme moi, il faudra acheter deux produits, deux vernis transparents, un que vous allez mettre la fécule de maïs, et, euh, et l'autre que vous laissez comme ça. Et ensuite, du coup, on recouvre son motif, on en met bien partout. Et puis là, on attend que ça sèche, donc pareil, on attend, avant de le mettre dans le sachet, on attend 5 minutes. Ensuite, dernière chose importante, lorsque vous créez vos nail patch, donc quand vous les recevez, vous les avez reçus dans ce petit sachet transparent. Ne jetez surtout pas le sachet, ou alors il faudra remettre dans un sachet. Parce que, en fait, si vous les faites, euh, si vous les laissez à l'air, alors pas trop pas, pas, quand c'est pas longtemps, c'est pas grave, hein, mais si vous les laissez à l'air trop longtemps... Il se peut, moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais il se peut que le petit nail patch se décolle. Euh, parce, que, parce que justement, ce n'est pas bien enfermé, bien aplati. Donc, remettez, quand vous avez fini, quand c'est sec, vous rangez dans un sachet vos nail patch et vous refermez le sachet. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer du coup euh, ben à la deuxième partie. Comment on colle le nail patch Donc, ça, c'était une planche que j'avais déjà préparée. L'avance, donc là j'ai fait euh, du, du one stroke en fait dessus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, et donc je vais vous montrer comment on le colle. Le nail patch est fabriqué en vernis à angle. Et euh, le décor, c'est euh, moi celui que je fais, c'est en peinture. Donc on prend une petite pince et on va décoller le nail patch. Je vais décoller celui-là exprès pour vous montrer que là clairement. Le, la partie transparente est beaucoup trop grande, donc on va pas s'amuser à coller tout ça sur l'ongle, ça sert à rien. On va le, euh, le couper. Comme ça, ça fera, moins de, ça fera moins de partie transparente. Donc voilà, si c'est trop grand, n'hésitez pas à redécouper. Vous pouvez toucher le, le truc dans tous les sens, c'est pas grave, c'est pas un autocollant. Donc n'hésitez pas à le toucher. C'est une petite pellicule en fait de vernis à ongles. Comme je vous disais, euh, c'est compatible. Avec du semi, avec du gel ou avec du vernis classique, il n'y a aucun souci. Quand c'est avec du gel ou du semi-permanent, faites encore plus attention de réduire votre autocollant, enfin votre nail patch, pour qu'il y ait le moins de surface transparente en vernis possible. Parce que ça ne sert à rien. Ensuite, je vais vous montrer donc déjà sur, sur ça. Donc cette capsule-là, c'est du semi-permanent que j'avais mis, il n'y a même pas le top coat. C'est juste du semi-permanent. Vous aurez besoin. D'un vernis classique, par contre. Même si vous faites une pose en semi-permanent, ça se colle pas bien avec le semi-permanent ou le gel. Prenez du vernis classique. Vous prenez, euh, mais vraiment une marque, euh, un truc bidon. Hein. Ne prenez pas un super top coat bien épais et tout. Au contraire, c'est mieux de prendre un vernis tout liquide, euh, un vernis nul en fait. Clairement, c'est les vernis nuls qui sont comme ça, c'est les vernis tout liquides et les vernis très liquides. D'ailleurs, sèchent extrêmement vite. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Pour votre cliente, elle ne va pas rester 3 heures à attendre que ça sèche parce que je sais que les professionnels ont une horreur et une phobie du vernis angle classique à cause du séchage, mais franchement, vous inquiétez pas, ça sèche hyper vite. Donc, je mets le vernis, le, le vernis transparent à l'endroit où je veux coller mon patch. Ne euh, le mettez pas partout, ça sert à rien. Donc là, par exemple, je le mets juste un peu ici en couche très très fine. Franchement, ça a mis 30 secondes à sécher. Et ensuite, vous collez votre patch, votre nail patch. Vous pouvez pendant 20 secondes, on va dire 10-20 secondes, vous pouvez le replacer, le bouger. Et ensuite, vous appuyez avec le doigt pour le coller. Parce qu'en fait, si vous voulez, le nail patch est fabriqué en vernis classique. Et vu qu'on met du vernis classique en dessous, ça va le faire refondre en fait, un petit peu. Et c'est ça qui va, qui va le coller. Donc, j'appuie bien comme il faut. Et là, vous allez sentir sous vos doigts, ben c'est bon, le, le vernis est déjà sec. Donc là, il n'y a aucun souci. Le temps de faire les autres doigts, de toute façon, il sera bien sec. Et ensuite, on va recouvrir de finition. Donc, soit euh, quand c'est une pose de vernis, de top coat classique. Mais si c'est une pose de semi ou de gel, vous recouvrez avec votre top coat habituel. Donc là, c'est du top coat de semi permanent. Bon, J'en mets pas partout parce que franchement ma capsule elle sort du, <laughs> elle sort du tiroir, elle est, euh, elle est pas très propre, donc euh, ça va salir mon pinceau. Et donc euh, voilà, on a collé son nail patch. Voilà, ça nous donne ça. Alors comme je vous dis, j'ai pas mis du top coat jusqu'en bas parce que c'est pas beau. Voilà, vraiment euh, c'est exactement le même résultat que si on l'avait fait directement à la main, c'est tout pareil. Allez pour le fun je vous montre sur un vrai angle donc bon là j'ai pas mis de vernis hein, mais euh, on imagine qu'il y a mon vernis. Si votre vernis couleur est encore un petit peu collant vous pouvez même coller directement ça dessus. Maintenant c'est un petit peu risqué parce que vous ne pouvez pas le replacer comme je vous ai montré, il vaut mieux attendre que votre vernis couleur sèche et vous remettez du coup du transparent comme je vous ai montré. Alors juste avant de poser votre vernis, essayez de calculer, ok je vais coller celui-là, celui-là il va sur le côté, donc je vais le mettre comme ça, réfléchissez à ce que vous allez faire avant parce que ça sèche vite. Donc lui, voilà, je sais que je vais le mettre ici, donc on ne met pas forcément du top coat partout parce que ça ne sert à rien. Où est ma pince, où est ma pince, elle est là. Je prends le patch, j'aurais pu le redécouper un peu, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer que c'est possible, si vous avez oublié aussi. On le colle. On le replace pour le mettre où on veut. On appuie bien fort pour enlever les plis, pour le plaquer en fait à l'ongle. Voilà, je vais vous montrer de plus près juste après. Et je vais aussi répondre à la question qu'est-ce qui se passe Comment on fait quand on n'a pas mis euh, de vernis bien comme il faut en dessous Là par exemple, ici j'en ai pas bien mis donc ça colle pas. Et comment on fait si on a le nail patch qui déborde Parce que ça peut arriver que vous ayez des ongles plus courts que le nail patch et que du coup votre motif ou votre nail patch déborde. Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai mis d'un petit peu plus près et je vais vous montrer comment on fait quand ça déborde. Et eh bien c'est écrit au dos. Il suffit d'utiliser de l'acétone ou du dissolvant pour enlever ce qui déborde comme quand on corrige en fait un vernis. Alors a priori, je n'ai plus d'acétone. Ah voilà, c'est bon. On prend un petit pinceau. En fait, c'est euh, le nail patch est fabriqué en vernis à ongles. Donc forcément, si vous prenez de l'acétone, hop, vous voyez, vous pouvez corriger un petit peu les contours. Le nail patch va fondre. Il va se replaquer à l'ongle. Pareil, si jamais vous avez une partie, comme je vous disais, qui n'a pas bien collé, vous pouvez juste... Tout doucement, évidemment, pas là où il y a le motif. Hein. Si là où il y a le motif, vous inquiétez pas, ça collera quand vous mettrez votre top coat. Mais s'il y a une partie d'autocollant ici, enfin pas d'autocollant, à chaque fois j'ai du mal. Hein. S'il y a une partie de nail patch qui se voit ici, la partie transparente, vous mettez un petit peu comme ça de dissolvant ou d'acétone et ça va faire fondre le vernis. N'oubliez pas que c'est du vernis à ongles. Donc il est tout à fait possible de l'enlever avec du dissolvant. Donc voilà, là j'ai corrigé les pourtours et ensuite je vais pouvoir, bon là je vais pas le faire parce que je vais l'enlever dans deux secondes, mais je prends mon top coat habituel de vernis et je mets euh, par-dessus. Bon, allez, je vais le faire pour la vidéo. Comme ça, vous voyez que ça ne bave pas. Puisque le motif est recouvert déjà de top coat. Donc, a priori, il n'y a, a pas de raison de l'abîmer. Et donc, voilà, ça nous fait une petite fleur. Et enfin, la dernière chose importante qui va vous plaire, c'est que. Ce petit carton de nail patch, cette petite planche est réutilisable à l'infini puisque quand vous l'avez enlevé, il n'y a rien qui est abîmé. Donc vous pouvez très bien recommencer en créant votre propre nail patch euh, comme je vous ai montré dans la vidéo. Voilà, ça, ça se nettoie si jamais vous l'avez sali, ça se nettoie au cleaner. Je pense que ça se nettoie au dissolvant aussi, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Après, ce n'est pas ce que je vous conseillerais d'emblée, parce que bon, le dissolvant, ça peut quand même abîmer l'envers du carton et tout ça. Mais sinon, ça se nettoie au dissolvant ou au cleaner. Et euh, voilà, vous pouvez recommencer à l'infini. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que cette nouveauté vous plaît et vous pouvez retrouver les nail patchs. Les cartons vierges sur mon e-shop. Et de temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai des petites collections d'ongles euh, prédécorés euh, que je mettrai sur mon e-shop. Mais voilà, si vous n'en voyez pas, c'est normal, il n'y en a pas tout le temps. J'en avais fait 20 pour Noël et ils, sont tous, euh, ils ont tous été vendus. Voilà!